Comme chacun sait, après un don de sang, le donneur est invité à se rassasier. Mais aujourd'hui, pour remplacer la traditionnelle brioche, deux chefs tourangeaux avaient préparé de bons petits plats. Saint-Jacques mariné aux agrumes et gingembre, le lait de concombre et brebis du Lechois, le croque-speck et le tiramisu fraise rhubarbe. Croque-speck, c'est un croque-monsieur fait avec du speck. Le speck est un jambon italien. En tout, près de 400 amuse-bouches ont été concoctées par les chefs tourangeaux. Un moyen de participer à la collecte tout en donnant un aperçu de ce qui peut être servi dans leur restaurant. Actuellement à la carte, j'ai justement un tiramisu à la rhubarbe. Là, vu que c'est les premières fraises, on a fait une petite variation et c'est tiramisu fraise-rhubarbe. Et Julien Dubarjus, c'est pareil, c'est des petites variations autour de bons produits de la mer qu'il a fait. Et voilà, c'est ce qu'on trouve à peu près dans son restaurant. Pour l'établissement français du sang qui organise cette initiative avec la table ronde française pour la troisième année consécutive, l'idée est aussi de séduire les donneurs. Pendant les vacances, le réflexe du don se fait en effet quelque peu oublier. Plus facile alors d'y revenir avec une collation préparée par des chefs. C'est vrai qu'on a toujours peur un petit peu de donner son sang. Et bah c'est vrai que c'est convivial et ça permet d'être un petit peu plus sympathique. Ben, c'est très agréable, ça change des petits gâteaux secs, les petites verrines sont délicieuses. Là j'ai une petite chose avec du mascarpone et une mousse de chocolat dans le fond, c'est excellent. Une collecte exceptionnelle qui rencontre donc son succès et qui s'inscrit dans une démarche de recherche constante de nouveaux donneurs, de tous horizons et de tous âges. On va en fac, on va essayer de trouver, on va dans les lycées pour trouver des nouveaux donneurs jeunes. Et puis on peut trouver aussi des nouveaux donneurs pas trop jeunes. Donc ce genre de collecte, c'est vraiment important pour nous, pour trouver des donneurs un peu moins jeunes. Vers 16h, une trentaine de poches avaient été récoltées et l'EFS espère atteindre les 80 poches d'ici la fermeture de ce centre de dons hors les murs. De quoi redonner le goût du prélèvement à ceux qui s'en étaient écartés.